Salut tout le monde, c'est Silent et nous retrouvons encore une fois pour Retro Game Days, toujours sur Super Metroid. Je suis devant la chambre de Ridley, on prépare notre charge beam et on y va. Souhaitez-moi bonne chance puisque ça va être très dur encore une fois, c'est pas facile du tout. On va essayer de l'affaiblir le plus possible au charge beam, puis après on y est au super bombe et au super missile si on y arrive quelque chose de bien. Ah c'est chiant qu'il s'envole à chaque fois, on voit pas où il est. On se prend des coups dans la gueule, des coups de queue dans la gueule qui sont pointus en plus, donc ça fait super mal. En fait Ridley, l'inventeur de la bifle, il nous fout des gros coups de bifle avec sa queue. Ah il y a des conneries que je peux sortir. Allez Ridley, si tu veux bien mourir, c'est maintenant ou jamais. Oula. T'arrêtes de faire du bruit là? Non mais, c'est qu'il excitait le petit dinosaure. Aïe aïe aïe. Très cher, il est toujours pas rose. Allez, comme ceci. Allez, il est, vient de prendre des super bombes dans la gueule. Je sais pas du tout si ça lui fait des dégâts, mais bon, c'est pas grave. Allez. Ça va déjà ça de moins faire avec les super missiles. D'ailleurs s'il faut que j'arrive à les placer dans sa gueule hein, aussi les super missiles, parce que là bon ça je suis pas trop confiant. Alors il a l'air de se cacher dans le coin, ou alors il a peur de venir, je sais pas du tout. Là, il est venu. Oh merde dans sa queue. Ah non 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 non. Putain. Ok. Le missile. Lâche-moi. Oh. Oh je l'ai eu. Oh putain de merde. Allez, mes points de vie me restent 30. Mon dieu. Oh putain. Oh, ça fait du bien. Et là donc, on découvre que le petit Metroid a disparu. Oh, on découvre aussi des points de vie. Des points de vie. Oh mon dieu. Allez. Et du coup, nous allons devoir tuer le boss final. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose, hein, je ne pense pas. Ouh là là, bon, Ridley c'est fait. C'était vraiment le truc qui coûtait les plus les boules niveau boss. Parce que franchement, pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué à faire. Mais au moins, ça s'est passé. Et si ça, ça passe, je pense que le dernier boss ne devrait pas être très compliqué. Enfin, c'est moi qui le dis, mais bon. Alors... je fais ça. Aucune idée. Alors on va aller rapidement à notre vaisseau se régénérer tous nos points de vie, tout le missile, absolument tout, ça remet tout à fond. D'accord, je l'ai tué. Oh non, j'ai
trouvé une technique assez facile pour le tuer, hein, pour finir ce jeu en tout con, faut se mettre, faut les faire sauter d'un côté. Parce que l'attaque brille. Et ensuite, faut... essayer de monter là-haut d'abord. Bon. Voilà, éclate-moi la gueule, t'es contente. Donc, le truc que je faisais, c'est tout simplement vous mettez dans un côté pour qu'il se déplace. Et puis, ben, une fois qu'il se déplace, tout simplement, ben... ils vont faire que de sauter sur vous en se mettant ben, vulnérable et voilà, c'est tout con, c'est aussi simple que ça. Pour eux, j'ai utilisé l'attaque brille pour passer rapidement, en fait, c'est tout con. J'ai utilisé l'attaque brille et paf, il n'y avait plus rien en 2 secondes. Donc on va directement sauvegarder, hein, parce que là, on a tué Ridley, on est content. Là aussi j'aurais pu utiliser l'attaque aussi. Mais bon. Alors, sauvegarder, oui. Hop, c'est gentil. Alors. Donc désormais, où c'est que nous devons aller? Alors, Pop Brinstar. Ah donc, on devra faire tout le chemin inverse. Ça va être un petit peu long. Un tout petit peu. Ah mais ça c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Bon, tant pis, il est quand même à son. Voilà. Perdu beaucoup de points de vie, mais c'est fait. Ça s'est fait aussi. Ah, on va faire ça. Alors. Ouf, 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 ça allait monter. Quoi, je peux pas me musier? Oh là là, vous êtes chiant. Laissez-moi chanter. Laissez-moi. Non, danser. Je sais plus ce que c'est cette musique. Oh, on s'en fout. Allez. Allez, allez, allez. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. En tout cas, ben, le let's play de Metroid est tout bientôt fini, hein. Si tout se passe bien en tout cas, normalement devrait pas trop y avoir de soucis, mais bon, avec moi, on sait jamais, vu le nombre de fails que j'ai fait dans la vidéo d'avant. Elle était terrible la vidéo, terrible. Même moi j'en ai fait des cauchemars, vous vous rendez pas compte. Il y a encore eu que j'ai trouvé qu'il y avait le petit truc de ceux qui étaient à côté, hein, parce que sinon j'aurais été grave dans la merde. Alors, désormais, nous remontons. Mais t'es con. Complètement. Alors, où c'est que nous sommes? Ah, toujours loin de la chose, hein. Pourquoi j'ai fait ça?
demande pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'ai fait. Je sais pas du tout pourquoi j'ai refait cette connerie. Voilà, on remonte là. Le premier monde, c'est déjà quoi? C'est Crateria, je crois. Ouais, 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 normalement. C'est, ça doit être ça. Donc il faut que je retourne à Crateria. Oh, plein d'endroits pour y aller. C'est très bien. On va essayer d'emprunter ces chemins. Comme ça, c'est chose faite. On arrive au tout début, on rentre dans le vaisseau. Et après, le boss n'est plus très très loin. On va essayer de faire ça proprement. On va se casser la gueule. C'est quand même mieux. Enfin, en général. Hein. Ça dépend des personnes. Hein. Alors. Donc les missiles qui traînent et autres, je m'en fous. Parce que de toute façon, j'allais au vaisseau. Je suis désolé, j'ai eu 2-3 petits soucis. Le jeu a planté tout simplement, donc voilà, j'ai relancé le tout. Je suis revenu au bon endroit. C'est un petit peu chiant. Alors. Ok. Sérieux ça? C'est pas sérieux. Bon. C'est pas possible pour moi. C'est pas humain. Un truc parce que là ça va être juste chiant sinon avec l'attaque bruit je vais pas pouvoir y faire. On peut y aller avec le super saut comme ça tranquillement. J'ai les mecs. Voilà. Aïe aïe aïe, sinon je suis garé pendant encore des années. Donc nous arrivons à Crateria, si tout se passe bien, si je me suis pas trompé de route encore une fois, j'espère pas. Et la boum, non non, pas Crateria, non. Allez, on y croit, on est presque au bout, on y est presque. Mais est-ce qu'on va survivre? Alors ça, c'est la bonne question que je me pose. Alors, ouais, je suis sur la gauche, je me disais. Alors, on y est presque les amis. Alors ça c'est fait, on rentre dans le vaisseau. Ça nous rend tous nos points de vie, tous nos missiles et toutes nos bombes. Oui, sauvegarder. Save complete. Allez, cette fois c'est la fin. Pas de bêtises, ça se trouvait là-bas. Donc c'est dans une salle où il y a la représentation de tous les boss. Vous verrez, il y a Ridley, ceux que j'ai tués, tous les grands boss donc du jeu. Je crois que c'est juste là en bas, puis à droite, si je dis pas de bêtises, mais c'est juste là-bas. Je me souviens de cette salle parce que quand j'étais petit, je me suis toujours demandé à quoi elle servait. Et je l'ai su, ben, très très tard. Mais bon, comme je l'avais dit quand j'étais tout petit, la première fois que j'étais arrivé à la fin du jeu, ben, j'avais tué tout le monde,
Hop, je t'arrive ici, ça va être tout explosé. Comme ceci. Puis après j'avais été sauvegardé dans le vaisseau et moi ma cartouche elle buguait. Ça supprimait les sauvegardes et ça c'était vent, pas cool du tout. Et donc le dernier Ridley, je suis il y a quelques minutes. Donc désormais nous avons accès au boss final. Je trouve vraiment sympa la... tous les boss comme ça collés ensemble, je trouve vraiment sympa. La statue elle est plutôt bien faite. Je sais pas ce que vous en pensiez vous. Oh mon dieu, ça tremble. Ah, ah, non, non, non. Nous arrivons dans la dernière zone. Pam, pam, pam. Aïe, 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 aïe. Un moment très triste. Cette fin de Metroid. Oui, puisque on finit cuit dans la lave. Voilà, comme vous avez pu le voir, ben... Je baignais dans la bol, dans la sauce bolognaise complètement chauffée à 3 millions de degrés, donc ça fait très mal. Je vous conseille pas de faire ça à la maison, hein. même si vous avez une Varia Suite, ne le faites pas. Vaut mieux pas. Donc nous allons arriver vers le dernier boss, enfin à tout de suite. On va éviter de se friter au milieu puisqu'il pompe pas mal les points de vie. Putain, on n'a pas le choix de se friter, vous n'êtes pas sérieux. Putain de merde. Comment on se débarrasse de cette merde déjà? Je n'ai franchement aucune idée. Eh ben putain, c'est du solide hein, ces machins. Voilà pourquoi je voulais pas me friter contre eux. Ah non, ça les gars, vous êtes pas cool. Putain. Ouais, 3 4 super bombes. 3 putain. Oh là 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 là. Ah, c'est mieux de les avoir comme ça. En plus, il donne plein de missiles, plein de bombes, donc c'est cool. Ok, bon, j'ai plus beaucoup de points de vie, ça c'est cool. Non, c'est pas du tout cool. C'est de se concentrer un minimum histoire de pas trop perdre de points de vie là-dessus. Tu vois Xtart, où c'est que j'en suis? Si je suis dans le point. Non, il y a même un point de sauvegarde. Alors, l'attaque vilaine ne les tue pas. Comment est-ce que je... On va pas se fight contre eux parce que... C'est pas trop mal. Genre de choses qui vous font peur. Non, non, pas un combat contre eux. Tenez comme vous dans cet endroit. Poussière plutôt. Mon dieu. Je sais pas ce qui va se passer là, j'en sais rien. Oula. Ah, si c'est le maître du début, je crois. Putain de merde, tu... m'a fait trop mal. Et donc là, il nous laisse à 0 à 1 point de vie. Je sais plus ce qui va se passer après.
Dégage. Ça, le prix, tu me prends toute mon énergie, après tu me laisses comme une merde comme ça. C'est pas au moins m'achever, hein. N'importe quoi. Ah là là, c'est Metroid, hein. Vraiment... tous sans cervelle, hein. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Des points de vie. Des munitions et des points de vie. Ça régénère les points de vie, c'est pas mieux. Oui, oui, c'est pas mieux. Ah, les missiles, on les a déjà à fond. Sauf les super missiles, c'est dommage. Alors... Hop, ça c'est ça. Donc il y a une sauvegarde juste à côté. Ça c'est cool. Hop, comme ça, j'ai tous mes points de vie, j'ai quasiment tous mes missiles. Et nous pourrons aller donc au dernier boss avec pas la bière des panoplies, mais quand même quelque chose de bien, je pense. Mon dieu, je serais dans un truc en fait. Sur Samus. Il me manque quelque chose sur la Morphing Ball. Et sur mon pistolet aussi, il me manque quelque chose. Mais ça, je crois que le pistolet, c'est le truc qui se débloque. Ouais. Spoil. Et donc là, nous sommes au dernier endroit. Il va falloir tout casser ça. Et j'ai ma mère qui m'appelle, donc je reviens tout de suite. Donc désolé, voilà, je suis de retour. Donc voilà. Hop. Donc on appuie sur start. Je sais pas si on peut les tuer en chargeant, mais je crois pas. Il faut utiliser uniquement les missiles. C'est chiant parce que c'est un petit truc. Qui vous arrête pour missiles en fait, les petits tirs là. On va essayer de faire ça bien. Ok. Ok, ça c'est fait. Hop. Aïe 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 aïe. À Mother Brain, première phase qui n'est pas très méchante, faut juste tirer comme un sagouin dessus. Je sais pas si on peut récupérer des missiles qui part. Parce que si on n'a pas de missile, en fait, bon, ici on pleure. Je fail. Alors, hop. Donc là, il va passer en phase 2 maintenant. Ça va être un petit peu plus dur. Donc là, on croit l'avoir tué, on est oh, tout content, mais bon. C'est la reine qui se ferme. Aïe. Et il est vraiment pas beau. Alors on va essayer de se concentrer un peu. Il n'est pas très très dur si mes souvenirs sont bons. Pour l'instant, pas très dangereux. Jusqu'après il y a une scène super triste. Et ça je pourrais jamais l'oublier depuis quand j'étais gamin. Jamais de toute ma vie. Ça sortirait de mon esprit quoi. Alors il y a une shield crotte. Une deuxième crotte. Ah, il chie des crottes par la bouche. Alors, il y a quelques super missiles dans la gueule. Ça va lui faire du bien.
Aïe. Il commence à faire très très mal. Faut pas perdre espoir, faut pas perdre espoir. Putain les amis. Ah oui c'est ça, d'accord. Et je suis mort. Aïe. Bon, première défaite contre Mother Brain, ça c'est fait. Bravo Silent, bravo. Vraiment très pathétique. Oui, start. Allez, go, go. Il y a de nouveau ma mère qui m'appelle, donc je vais revenir tout de suite. Nous nous retrouverons, donc j'ai un petit peu avancé, hein, histoire de pas trop traîner là-dessus. On va essayer d'y aller un peu plus tranquillos, parce qu'il fait quand même très très mal, le bestio. Aïe. Aïe 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 aïe, je prends extrêmement cher de nouveau. Je pense qu'elle a dû l'apprécier. Aïe 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 aïe. Je sais pas si je peux tuer ça pour faire des dégâts. Putain elle est horrible cette attaque, elle fait super mal. Allez, allez. Oula, 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 oula. Stop. Ah, faut que je puisse survivre à cette attaque aussi, ok. Bon. On va refaire tout le chemin. Pour une troisième fois. Aïe, aïe, aïe. Donc il faut que j'aille à 7 points de vie pour survivre à cette attaque et je sais pas du tout combien c'est. Ouf, aucune idée. Le problème c'est que j'ai tellement peu de missiles. Et tellement peu de super missiles surtout. Oh là là. Y'a rien de tout ça qui m'aide. Est-ce que je peux casser ça avec ça? Oui bah bon. Mais un missile comme un gros bourrin. Aïe 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 aïe, on perd tellement de missiles déjà dans cette salle. Merde. Thank you.
Ok. Voyez tranquille avec ça d'abord. Aïe! Je sais pas si j'ai assez de points de vie déjà pour tenir cette superbe attaque là. Alors pas du tout, je pense pas. Oh putain de merde, pas cette attaque. Ah bon bah c'est fini. Tue-moi. Aïe 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 aïe. Je crois que j'ai fait une petite pause et je vais revenir plus tard parce que là. Le faire 4 fois de suite ça va aller. Donc je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, nous retrouvons de nouveau sur Mother Brain. J'espère que ça va bien se passer. J'ai regardé vite fait combien de points de vie fallait que j'aille pour cette superbe attaque. Et je crois que c'est 200 si je dis pas de bêtises. C'est quand même assez énorme. Aïe, si je me prends ça, j'ai un peu chaud, hein, ça va tout faire. Oh là 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 là. Allez, on y quoi? Je me cherche plutôt pas trop mal, je pense. Allez. Aïe aïe aïe. Je suis pas loin déjà en train de passer des dents de sang bientôt. Oula. C'est tout ça qu'il faut éviter. Alors voilà. Je peux plus gagner le combat. Aïe 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 aïe. Cake là. Tiens. Là, il va m'achever. Parce que j'ai plus que 100 points de vie. Et donc ça fait extrêmement chier. Ah putain de merde. Bon. On se donne rendez-vous pour le 5ème essai. Allez, je coupe ça. A tout de suite. Et donc voilà, je suis de retour. Ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était nul. Ça c'était nul.
Allez, tu peux le faire silent, c'est pas ce qu'il y a de plus dur au monde. Ensuite, je veux intelligemment. C'est des petites attaques des yeux là. Si je saute pas trop, j'arrive à le choper avec mon truc. Et il arrive pas à me toucher avec ses machins. Voilà, ça gère, là ça gère. Oulala. Ça commence à faire l'enculer. Oulala, bien, bien. Oulala, oulala, je m'en sors plutôt très bien. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Yes, j'ai assez de points de vie, je pense. Ah, ne me tue pas, ne me tue pas. Ah, mes points de vie. Ça fait super mal ce machin quand même. Je sais pas combien de dégâts ça a fait au total. Et tu peux plus bouger. Saloperie. Tricheur, tricheur. Allez, lève-toi. Et là, hop, le métruite qui vient à rescousse. Et c'est à ce moment que je me sentais vraiment mal, moi. Et que j'ai pleuré quand j'étais petit. C'était à cause de ça, vous allez voir. Tout de suite, dans quelques secondes, ce qui se passe. Là, le maître, il prend toute son énergie, quasiment. Mother Brain. Là, le Mother Brain, il prend très très cher. Il est affaibli. Et là, le maître, il se casse. Et il revient. Et là, pouc. Et regardez ce qui se passe. Nos points de vie se régénèrent. Et là, vous dites, waouh, c'est tellement cool. Et donc, ils prend absolument tout le point de vie. La Mother Brain, il se réveille. Tac. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à attaquer le Metroid. Et c'est ça qui m'a fait pleurer. Regardez bien cette scène. On voit que le Metroid perd la corde, qui devient de plus en plus faible. Et là, hop, il meurt et il fait son petit cri. Et en mourant, il nous donne le pouvoir ultime. Et ce petit cri m'a fait pleurer, quoi. C'était vraiment horrible pour moi quand j'étais gamin. Donc maintenant, nous avons le super missile d'amant. Et donc, c'est la fête du slip. On peut tirer comme un maçon et ça fait super mal. Par contre, faut pas que je meure maintenant. Allez, allez, on y croit, on y croit. Tu veux bien mourir, saloperie. Donc là, il commence à devenir tout rouge, il est presque sur le point de mourir. Et là, ça y est, c'est la fin du Mother Brain. Allez, dégage, saloperie. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a une musique aussi. Ouais, je sais pas, ça va. C'est pas la musique de la victoire, on est d'accord, mais je trouve que ça colle pas avec la dernière bataille, quoi. Je sais pas. Et donc maintenant, hop, forcément, il faut s'échapper. Donc, hop, on passe par là. Et donc, ça casse absolument tout, hein. C'est vraiment le rayon, mais ultime de la mort qui tue. Alors, 3 minutes pour s'échapper, hein. Mécanique, c'était un problème. Par ici. Par en haut.
faire. Merde, mauvais endroit. C'est un peu mal aux yeux. Allez, on y est presque. Merde. Oh putain, j'ai fait de la merde. J'ai encore pas réussi à m'échapper, ça se trouve. Hop, on tire vers le haut. Allez, une minute, normalement c'est assez large encore. J'arrive encore à me péter la gueule. Oh mon dieu. Allez, au car. Ah, le stress de fou que je suis en train de me mettre. Mon dieu. J'ai un peu m'amuser en allant en morphing ball vers le bas et crever comme un imbécile, mais non, je crois pas que c'est trop le but. On a fait le vaisseau. Et donc voilà, c'est la fin de Super Metroid, ce let's play est fini, donc le Retro Game Day va partir sur un autre jeu désormais. Donc j'espère que ça vous fait plaisir et que vous êtes contents. Oui, enfin, nouveau jeu. Bah ouais. Je vous laisse quand même la fin et les crédits et tout le bordel. Donc en tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de rejouer à Super Metroid, hein, en tout cas. C'est un jeu qui est vraiment mythique pour moi. C'est un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué quand même dans ma vie. Ouais, l'un des tout premiers, le premier auquel j'ai joué, je crois que c'est Super Mario All-Stars sur Super Nintendo. Donc la compilation de tous les Super Mario, une compilation géniale si vous arrivez à mettre la main dessus, achetez-la. C'est vraiment super bon, il faut une Super Nintendo par contre, hein, donc ouais. The operation was completed successfully. En 2h11, bon ça c'est parce que, comme je l'ai dit, j'ai dû supprimer, j'ai refait une sauvegarde entre deux parce que j'avais perdu les données. Voilà, dommage hein. Mais voilà, c'est pas non plus le jeu le plus long du monde, vu que vous avez pu voir, j'ai fini en 2h11, donc voilà, c'est pas très très long. Mais il reste tout de même très sympa. Niveau exploration, liberté, vous avez vraiment quelque chose qui est parfait quoi. Et les musiques sont sympas, les graphismes sont jolis toujours aujourd'hui. Je sais pas, franchement, je vous conseille de vraiment le faire de votre côté parce que ça en vaut la peine. Même si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, vous avez tout suivi, que vous avez jamais joué au jeu, faites-le. N'hésitez pas à faire d'autres Metroid aussi parce que c'est vraiment une très très bonne série. C'est vraiment une très bonne série. Je les ai absolument tous faits, sauf le tout premier du nom qui est vraiment... Il me rend malade tellement il est dur. Il me rend malade par ses... Il est pas mauvais en soi. Il est très très dur par contre, vraiment très très hardcore. Et du coup ben j'ai vraiment été rebuté par la difficulté du jeu. Et je sais plus s'il y a des sauvegardes, mais je crois que c'était le premier jeu qui implantait des sauvegardes. Je sais plus. Voilà, en tout cas ben on va laisser les crédits. Laisse vendre gentiment. Il n'y a pas beaucoup de monde hein, qui était dessus, hein, vous voyez qu'il y a un nom, deux noms, maintenant il y a 125 noms par poste, genre designer il y en a 125, la map programmeur vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul, il y en aurait eu 10 dans les jours d'aujourd'hui. Aïe 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 aïe, ça a bien changé hein, depuis l'époque. Katsuya Yamano, printed artwork, Maza Fumi Sakashita, tous des japonais, hein. tous des japonais. Dan Ao Sen, George Sinfield, Masaru Okada. George Sinfield, ça fait pas très japonais ça. Hitoshi Yamagami, Nobuhiro Ozaki, and all of RND1 staff. RND1. Gunpei Yokoi. Donc là je crois que nous arrivons à la fin. Tout se passe bien. Et petite surprise. Donc ça c'est si vous finissez le jeu rapidement, c'est ce qui se passe, vous découvrez qui c'est qu'il y a sous l'armure de Samus Aran, hein, tout simplement. Bah voilà, c'est Samus Aran qui est dessous,
Mais on la voit en une sorte de petite culotte. Et je crois que c'est la première héroïne dans tous les jeux vidéo, si je dis pas de bêtises, hein, donc voilà. Et si vous finissez le jeu assez vite, bah, vous aurez le droit à ces images, voilà, qui sont exclusives. Donc j'ai collecté 49% de tous les objets du jeu. C'est pas ce qu'il y a de pire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. C'était vraiment très léger, j'avais pas beaucoup de super missiles, pas beaucoup de missiles. Je crois que des missiles au total, il y en a 200 et des super missiles 100. J'en avais 80 et 25 je crois, donc c'était vraiment très léger. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Sur ce, moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau Retro Game Day. Allez!